La première fois que Gisèle, c'est quasiment un des premiers ballets que j'ai vu quand j'étais jeune, à l'Opéra de Paris. L'émotion qui passait à travers la théâtralité de ce ballet qui est iconique. Et donc, quand j'ai interprété pour la première fois Gisèle, je me suis retrouvé avec la même impression que j'avais quand j'avais peut-être 12-13 ans quand je l'ai vu la première fois. C'est-à-dire, j'avais l'impression, j'ai vraiment ressenti la modernité et l'universalité de ce ballet qui raconte vraiment une histoire intemporelle. La difficulté principale, c'est d'arriver à maintenir et même à augmenter l'intensité de l'émotion du début du ballet à la fin du ballet, qui, comme vous l'avez certainement remarqué, pour ce qui est du prince Albrecht, va crescendo en termes de technique et aussi en termes d'investissement personnel et émotionnel. Au début, c'est presque finalement comme un jeune homme qui fait face aux épreuves de la vie, et qui à la fin du ballet est beaucoup plus adulte qu'il ne l'était au début, où il n'avait pas conscience forcément des conséquences de ses actes et de sa responsabilité, notamment face à Gisèle. Et c'est toute la délicatesse et la finesse du bas de jambe qui est un peu notre école. À l'école de danse, on met beaucoup l'accent sur tout ce qui est propreté, ce qu'on appelle l'ouverture, enfin le bas de jambe, le travail de la présentation des pieds. Donc c'est, en tout cas, quand j'interprète ce ballet, c'est vraiment ça qui est mis en avant. Alors l'Opéra de Paris, c'est pas une compagnie de danse, c'est une institution. En fait, c'est une compagnie avec 154 danseurs, et c'est une compagnie qui peut danser des registres très différents. Vous avez vu ce soir Gisèle, c'est un Gisèle traditionnel. En même temps, il y a notre partie de la compagnie qui travaille à Paris sur une création contemporaine. Et en fait, nos danseurs, c'est des danseurs très polyvalents qui sont capables de danser ce soir un Gisèle et dans quelques jours de danser une pièce contemporaine. Donc en fait, il y a une réelle richesse du répertoire. Et puis nous avons la chance à Paris d'avoir deux théâtres, l'Opéra Garnier et l'Opéra Bastille, où on peut faire des spectacles très différents. On fait environ 190 spectacles par an dans ces deux théâtres, et ça nous donne peu de temps pour partir en tournée, mais c'est toujours un plaisir de justement faire connaître cette école française dont parlait Myriam à travers le monde, et de venir en Corée, où donc après 30 ans d'absence, on est de retour à Séoul. Donc je pense que, quelque part... L'avantage du ballet de l'Opéra de Paris, c'est l'excellence que vous avez vue ce soir dans le spectacle, les danseurs, les solistes de la compagnie, et puis aussi tout le reste, comment on travaille dans le détail par rapport aux lumières, par rapport aux costumes, parce que tout fait partie du spectacle et ça fait aussi partie de l'Opéra de Paris. Moi, je pense que le Gisèle qu'on a présenté, c'est un Gisèle traditionnel qui montre vraiment l'école française. En fait, on est très respectueux de la tradition, mais on essaye à chaque fois d'être proche de la sensibilité du spectateur d'aujourd'hui. Donc en fait, c'est ça le défi, et je pense que c'est ça le but du spectacle. C'est comment ce ballet, qui est un ballet romantique du 19e siècle, peut être compris, et comment la sensibilité du spectateur peut interpréter cette histoire pour que ça reste actuel et que ça soit une histoire d'aujourd'hui. Et je crois que c'était ça le principal, qu'ils ont fait très bien aujourd'hui, d'ailleurs. Alors, moi, la première fois que j'ai dansé avec Germain, enfin, ça c'est en répétition, dès la première répétition, il y a eu quelque chose d'assez très agréable, très sincère dans son regard, dans ce qu'il pouvait me donner. Et du coup, j'ai été très naturelle envers lui. Et dès les répétitions, dès la première répétition, il y a quelque chose qui s'est passé, qui est de l'ordre du naturel, de la spontanéité, du plaisir. Et en scène, ce qui s'est passé, c'est que, enfin, on n'a pas cherché à
à faire quoi que ce soit, on était juste naturel. Je regardais la profondeur dans ses yeux et voilà, il m'a apporté du bonheur et c'est vrai qu'aujourd'hui j'en ai oublié de danser, j'étais juste dans mon personnage avec toi et je trouve que passer ce cap, en tout cas, je trouve ça incroyable de partager des moments comme ça sur scène, parce que c'est quand même un ballet qui est difficile. Mais quand on va au-delà de la difficulté et qu'on est juste dans la sincérité, c'est pour moi, c'est le plus beau. Déjà, merci Myriam pour ces magnifiques paroles que je vais maintenant aussi te retourner. En fait, Myriam, c'est vraiment la ballerine parfaite par excellence. Quand on imagine ballerine, c'est Myriam. Mais ce qui est extraordinaire avec elle, c'est que, comme tu le disais aussi, quand on commence à répéter ensemble, et notamment sur Gisèle, où on commence à raconter une histoire, on oublie la danse, on oublie qu'on est au théâtre, et en fait, on raconte notre propre histoire. Je me plonge dans son regard, dans ses magnifiques yeux bleus, et d'un coup, je me sens Albrecht, je me sens aimé. Et du coup, l'amour que je lui porte en retour, il est sincère, il est naturel, il coule naturellement par ce moment-là. Et c'est, tout à l'heure, je parlais de la difficulté de maintenir l'émotion. Et c'est presque d'autant plus difficile avec Myriam parce que la sensation de deuil dans le deuxième acte, par exemple, elle est très douloureuse. Quand justement je me retrouve face à elle dans l'adage du deuxième acte, je suis vraiment face à l'amour que je lui porte et cet amour-là a causé ce désespoir. Et je pense que c'est une vraie, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de chance de vivre sur scène, parce que c'est des choses qu'on vit pas forcément dans la vie de tous les jours, et on espère que ce qu'on a vécu sur scène, vous l'avez vécu avec nous, c'est le but, hein. Et donc voilà, avec Myriam, c'est vrai que on a l'impression qu'on a même plus besoin de penser théâtre. On a juste la chorégraphie comme structure, et le reste se fait tout naturellement avec la musique. Et je dois dire aussi, désolé, c'est un peu long, pardon. Je dois dire aussi que la première fois qu'on a dansé ensemble, c'était il y a 5 ans, 6 ans, sur une chorégraphie de Balanchine, donc abstraite, sans histoire, qui est Diamant, dans Joyau. Et je me rappelle très bien d'avoir déjà l'impression de raconter une histoire, alors même qu'il n'y a pas de narration. C'était déjà un moment suspendu, intemporel, voilà. Et aussi, j'étais là pour sa nomination, j'étais dans le corps de ballet juste derrière elle. En fait, la tradition et l'écriture classique donnent une base pour transmettre de l'émotion. Et en fait, le spectacle de ce soir, par exemple, il a été très différent du spectacle de hier, et il sera très différent du spectacle de demain, puisque chaque interprète utilise cette écriture pour pouvoir raconter sa propre histoire, pour mettre, sa conception du rôle. Et c'est aussi la rencontre entre plusieurs interprètes. Là, par exemple, Gisèle et Albrecht, si on changeait un des deux interprètes, le spectacle ne serait pas le même. Donc, en fait, il y a une musique, il y a une écriture qui date depuis des années, et chaque artiste vit à l'intérieur de cette écriture. Et donc, en fait, le but, c'est de transmettre de l'émotion, et que quand le public part le soir, il va se rappeler des magnifiques sauts de Germain, des équilibres de Myriam, mais surtout que dans 2 mois, 3 mois, tout le monde se souvienne de l'émotion qu'ils ont reçue pendant le spectacle. Aujourd'hui, c'est un peu similaire. C'est deux grandes écoles qui aujourd'hui, avec la période, c'est deux grandes écoles qui se sont rejointes. Je trouve que c'est vrai qu'il y a 20 ans, c'était peut-être, il y avait plus de différences. Et aujourd'hui, en fait, la recherche, que ce soit pour l'école française ou l'école russe, on va tous vers l'excellence. On recherche aussi à danser avec les moyens qu'on a aujourd'hui. Et je trouve que ces deux grandes écoles se complètent. Et nous, l'école française, on se sert aussi beaucoup de l'école russe pour le haut du corps, le
travail des bras, la délicatesse des bras. Oui, la différence, oui, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a envie de mettre ça ensemble. Ouais, on s'inspire, on travaille, on prend ce qu'il y a de bien un peu partout. Et voilà, c'est une question qui n'est pas forcément très évidente, mais... Tout d'abord, tout le monde est très accueillant, que ce soit dans le staff et également dans le public. C'est aussi très agréable de danser dans un théâtre très moderne. Je crois qu'il a ouvert ses portes il y a moins d'un an, si j'ai bien compris. Et c'est toujours assez émouvant d'imaginer qu'on laisse une trace sur une scène qui est presque vierge. Voilà. Et puis personnellement, j'ai trouvé que le public coréen, et que ce soit à Daejeon la semaine dernière et aujourd'hui à Séoul, est très réceptif, très participatif, ce qui est très agréable, je trouve, parce que du coup, on sent pendant le spectacle qu'il y a un vrai échange entre le public et nous. Et voilà, ça, c'est toujours très beau et ça nous porte aussi. C'est peut-être aussi grâce à ça que j'ai pu aller au bout de mes entrechassis, de mes sauts à la fin de l'acte 2. Donc, moi, c'est ma première tournée avec le Ballet de l'Opéra. C'est le premier pays que je visite depuis que je suis directeur. Et j'étais donc dans la salle ce soir. Alors, je dois dire que pendant le spectacle, je pensais que j'étais très fier des danseurs. J'étais très fier du résultat, de voir la réaction du public par rapport au travail, à tout le travail. Parce qu'en fait, faire un spectacle comme ça, c'est quand même... j'allais dire des mois de travail, mais c'est des années de travail, puisqu'il y a une formation pour arriver à cette sorte d'excellence. Surtout, je trouvais qu'à beaucoup de moments, on ne voyait pas l'effort, s'il y avait un côté magique dans le spectacle. Donc, j'ai passé un très bon moment et j'avais envie d'applaudir comme tout le monde. Merci.